Remplis-moi. Remplis-moi. Et fais que par moi. Et fais que par moi. Des malades guérissent. Des malades guérissent. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. Viens sur moi. Viens sur moi. Pour que je démontre que Dieu existe. Pour que je démontre que Dieu existe. Le don de parler en langue. Le don sur moi. Le don de sagesse. Le don de sagesse. Le don de discernement. Le don de discernement. Le don d'interpréter toutes les langues. Le don d'interpréter toutes les langues. Tu vas faire la foi.
Découvre ça en toi. Ressens cette soif. Ressens cette chaleur. Ressens cette force. Concentre-toi. Maintenant, réalise le temps de l'esprit. Tu sens que ta langue va parler quelque chose. Continue à m'aimer. Ma langue est en train de trembler. Thank you.
et les dents et les pouvoirs surnaturels. Saint-Esprit, manifeste-toi. Libère les langues. Donne le don de l'Esprit. Allez, recevez, recevez l'Esprit. Oh, my God.
reçois l'esprit de Dieu. 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 Mais pour les serviteurs de Dieu, parce que nous avons dit, il faudrait qu'ils le
définissent ce dont ils ont besoin. Je sais que les amis professeur juste dans le ministère. Soit répandu sur vous. Amen. Le Seigneur vous accompagne dès maintenant et pour toujours. Amen. Et que vous prophétisez jusqu'à la suite, afin que l'Esprit du Seigneur manifeste la volonté de Dieu sur vous. Amen. Soyez bénis en toutes choses. Amen. Financièrement. Amen. Matériellement. Amen. Spirituellement. Amen. Moralement. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. À tous les amis. Ça va?
d'Ivoire, dans le quartier du Crocodile, c'est ça. Adjamé, yoga pourquoi garder Adjamé n'a pas de Ivoire. Amen. Amen. Pour l'étranger, il y avait déjà des visions. Amen. Un sur Angola. Et déjà là, on est en Angola bien assis. C'était bien passé. Amen. Amen. Donc, voilà le bishop qui nous a contactés pour que nous travaillions ensemble dans la foi en Jésus-Christ avec lui en Côte d'Ivoire. Adjamin. Amen. Amen. Bien. Je veux que le frère parle lui-même. Mais il ne veut pas le bailler mon corps. Il nous dit vraiment ce que Dieu a mis en lui. Qu'est-ce qui l'a poussé à entrer en contact avec nous? Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Avant que je me présente, je suis très aimé, je suis très content. Sincèrement, vous avez un père. Alléluia. J'ai vu tout ce qui s'est passé, effectivement c'est l'église de Dieu. Amen. Comme le temps nous est imparti, je vais parler rapidement dans une minute. Comment j'ai fait pour rencontrer, pour trouver le contact de ce monsieur qui est vraiment aujourd'hui, que j'ai reçu même aussi un don en lui aujourd'hui. C'était en 2009, avec ma famille, on est tous partis à Abidjan. Parce qu'à Abidjan, quand j'avais fini mes études à Niger, à Lagos, à Beni City. Et ça, qui nous a beaucoup apporté le balai, na l'Ivoire, dans le Saki, et là, Sinanga, na Lagos, City, Kuna. C'était l'école Pitalosa, j'avais fini, et moi, avec ma femme, avec mes enfants, on est partis s'installer à Abidjan. Et l'ongo na moi, Sinanga, il là-bas, na plus de 6 ans, Kuna, tout le monde va à Abidjan. Et le m'a dit de commencer quelque chose, j'ai commencé. Et mon côté, il y a un peu de Mais partout, avec mes amis pasteurs qui sont avec moi dans mes conférences, on fait le parler de l'apôtre de Dieu. Kassibisi, Kami, sera à Abidjan. Si on parle d'un apôtre, si dans notre milieu, parmi les hommes de Dieu, souvent on se pose des questions, les meilleurs apôtres dans chaque nation. Et ça fait que nous sommes arrivés à Congo Brazzaville. Si c'est arrivé à Congo Brazzaville, quel est l'apôtre que Dieu a utilisé? Parmi mes amis, les apôtres, les collaborateurs qui sont avec moi, on est, je crois, 20, mais les 18 ont parlé de l'apôtre plusieurs. Voilà. 2011, maintenant, j'avais eu une invitation à Kinshasa et j'étais passé par Congo. J'ai dit que je vais faire 2 semaines pour chercher ce monsieur qui a la grâce, je vais arracher aussi une grâce pour lui. J'avais fait 2 semaines, mais je ne l'ai pas rencontré. C'était en 2011. Et j'ai traversé. Et non, retour, j'ai fait 1 semaine encore. Parce que pour trouver quelqu'un de la grâce, c'est pas facile. J'ai dit, Seigneur, de la même manière que tu as fait attendre Anne, je vais rester attendre même si c'est quelle année je vais revenir. Je
Vous savez, enfant de Dieu, il faut que tu sois patient. Vous voyez, le Seigneur, c'est un mot de mais aussi. Et persévérer. Faites aussi, car c'est la persévérance fait partie du fruit de l'esprit. Oui, il dit que ton problème, c'est la mouvement mon livre. Depuis 4 ans, c'est-à-dire que depuis 2011, il était à ma prière. Je dis, Seigneur, je vais l'attendre sur monsieur et je vais travailler avec lui. Oui, tiens, pour la mine, il dit que vous avez un peu et voilà maintenant en 2015, j'ai dit à la communauté que j'ai commencé avec ma famille, je vais venir à Congo Brazzaville. Mais comme ma mère, elle est centrafricaine, avec tout ce qui s'est passé au pays là-bas, je suis passé par Centrafrique pour rendre visite à ma mère. Ma mère pensait que moi je devais quitter là-bas pour repartir. J'ai pris l'avion directement ici. Je n'ai même pas appelé avant de venir. Dès que je suis arrivé à l'aéroport, là on m'avait logé. J'ai pris maintenant mon téléphone à mon fils. L'apôtre qui le connaît, il y a un ami apôtre qui s'appelle Nico, c'est lui qui a parlé de ce monsieur-là. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici. Même si je n'ai pas d'argent, je dois rester pour voir ce monsieur. Je suis venu, je l'ai appelé. Et il me dit qu'il est à Pointe-Noire. J'ai dit, mais moi, l'argent qui est à moi, mon séjour, je ne peux pas supporter jusqu'à 2 semaines. Là où on m'a logé, le frère CS centrafricain est parti. Et avant de partir, il me dit que voilà, il part. Je suis obligé de quitter sa maison. Là, présentement, depuis une semaine, je suis vers Kisundi, près de partage là-bas. Donc, je suis sorti très tôt le matin, je crois, avec la bouteille à 7 heures pour venir. Je dis qu'aujourd'hui, là, je dois voir ce monsieur. Et aussi, car la fille qui est là, je suis assis à celui qui est à son trafic. Pour finir, je vais vous montrer comment votre père est trop sage. J'ai découvert quelque chose. Il m'a appelé, il m'a répondu que je viens visiter l'église aujourd'hui. Alors qu'il était en pleurant, je pensais qu'il n'est pas là aujourd'hui. Il est resté là-bas. Il me dit, viens seulement visiter l'église. Moi, dès que je suis rentré, oh, le monsieur est encore là. Je dis, ah, donc, il m'a dit de venir le raconter. Je l'ai raconté aujourd'hui. Et pour finir, je confirme son message. Pour que tu sois excellent dans le ministère, il faut rencontrer quelqu'un qui peut te transmettre la communication. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Mathieu de Ligue, nous connaissons ici votre frère Nazan de Kounabino. Le Bishop Alliance Saïtoa. Bishop Alliance Saïtoa. Le Seigneur m'a fait grâce, j'ai une femme avec 4 enfants. On a commencé, après mes études, on a commencé une église, je crois, présentement. C'est pas une église, c'est un ministère, mais à travers la causerie du papa, c'est là où vous allez passer. Je suis en train de dire, Seigneur, je veux que la vie qu'on met soit à Abidjan. Merci. Donc, je vous salue dans les noms, je vous hésite. Mais le point de tout coup d'un papa, ah ouais, et vous commencez pour l'église et vous allez dire qu'on le coule à Abidjan. Amen. Amen. Parce que le ministère de l'Intérieur nous a autorisé de culture maintenant et avoir une appellation. Comme depuis 6 ans que j'ai prié, je dis, Seigneur, est-ce que je sois visionnaire ou je sois porteur de vision? Et aujourd'hui, de la manière que j'ai entendu parler de ce monsieur, je dis devant les anges, devant Dieu, devant Jésus que je sers, je prophétise, je vous dis sincèrement que présentement, à mon retour, mettez dans votre tête qu'il y a une vie complète déjà. Je suis un peu plus de temps. 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 Je
Je préfère peut-être aller jusqu'à avoir la fin d'année. Envoyez-moi les évangéliques qui sont là-bas. Ils vont venir visiter. Amen. Amen. Avec moi, pourquoi pas, je vais faire Jésus. Merci. Ce que je peux vous dire, comme nous sommes au sixième mois, le quoi besoin à cinquième? Je vais vous montrer et prophétiser les chiffres 6. Quand vous lisez dans Luc 1, verset 27, la Bible dit que au sixième mois que Dieu a envoyé un ange à Marie. Le chiffre 6 est le chiffre de surprise. Le chiffre 6. C'est le chiffre des surprises. Et les amis, je prophétise sur toi. Comme avec mon père à la bourse. Mon téléphone va sonner avant que le mois finisse dans le nom de Jésus. C'est la bonne nouvelle. Cette seule qui va initier le fait.